Le mot du jour. Le célibat. Nissim Sultan. Le mariage, disait Guitry, c'est résoudre à deux les problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. De là découle que les adeptes ou les victimes du célibat sont aussi mal lotis que les couples formés. Certes, les couples sont à deux pour résoudre, mais pourquoi faire? Et de leur côté, les célibataires sont libres de résoudre leurs problèmes de célibataire. Mais de quoi est-on libre quand on est libre? Ben Razaï était un maître de la Mishnah du 1er siècle, ami de Rabbi Akiba. Un maître sans titre. Pourquoi? Parce qu'il s'était refusé au mariage et à la paternité. En cause son agapé, son amour dévorant pour l'étude de la Torah. Au reste, aurait-il convolé en juste noces qu'il n'en aurait pas moins pris l'épousée pour objet? Libre donc, parce que pas disponible. Or, pour être rabbi, la sagesse ne suffit pas, fut-elle fruit de la passion. Il manque le risque, le péril du sujet, de la conscience autonome. Mais ce célibat choisi ne doit pas faire oublier la cruauté de l'autre, le célibat subi. Subi par celles et ceux, tant disponibles au contraire, que le mépris, la malchance ou le handicap ont relégué dans la solitude. Ils en ont gros sur leur grand cœur. Il leur manque la bénédiction, lâche même le Talmud, de quoi nous révolter, et par tous les moyens leur venir en aide pour peu qu'il y ait détresse. D'ici là, ceux-là pourront vous dire comment, dans l'épreuve partagée, on sait trouver le cadeau caché pour ne pas succomber. Ils pourront vous dire tout ce que l'enracinement l'un dans l'autre doit à ces problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Combien résoudre à deux est une bénédiction.